Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire qui a pour objectif de vous faire découvrir le nouveau partenariat entre PCB Piezotronics et Safran Data System pour proposer une offre de numérisation de la chaîne de mesure au plus proche des capteurs. Je suis Colin Dizès, donc chargé de marketing digital au sein de PCB Piezotronics. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Maïwenn Courbeau, responsable marketing digital, Bonjour. et de Philippe Briquet, donc qui est chef de marché aérospace et défense chez PCB Piezotronics. Bonjour à tous et toutes. Et on est accompagné également aujourd'hui de Adrien Fustier, Bonjour à tous. responsable des ventes pour Safran Data System. Et avant d'entrer donc dans le bref du sujet, Maïwenn, peux-tu rappeler rapidement à nos auditeurs qui sommes-nous, qui est PCB Piezotronics? Alors, PCB Piezotronics, donc je vais commencer par nous, PCB Piezotronics SA, donc on est une filiale française, on est de PCB Piezotronics Inc., qui est l'entreprise, la maison mère. Donc on a été créé en 2000, on a 17 salariés, on a fait 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. On est donc filiale de PCB Inc., qui est une entreprise à l'origine familiale qui a été fondée en 1967 aux États-Unis, à Buffalo, dans l'État de New York. La spécificité de PCB Piezotronics, c'est d'avoir mis en place dès le démarrage donc la partie R&D, la partie usine, fabrication donc sur le territoire américain dans ses propres usines. Donc des solutions et ce qu'on fabrique, ce sont des solutions de mesure de grandeur physique. Et depuis 2 ans maintenant, PCB Piezotronics appartient au groupe Amphenol. Donc Amphenol qui est un groupe pour le coup multinational coté au Nasdaq, plus de 80 000 employés dans le monde. Et qui est un des plus grands fabricants au monde de connecteurs haute technologie, de capteurs et câbles. Alors, PCB Piezotronics, on s'appuie sur 3 technologies. La technologie piézoélectrique, qui est la technologie d'origine de PCB Piezotronics, donc qui permet de travailler sur tout ce qui est sur la marque PCB, notamment pour tout ce qui est vibration, choc, acoustique, pression, dynamique et force. Sur les marques PCB et IMI Sensor étant la partie industrielle, donc durcie, résistante au choc de PCB. Et sur 2 autres technologies donc, qui sont à base de MEMS cette fois-ci, la technologie piézo-résistive, donc distribuée sous la marque Andefco, qui permet de gérer tout ce qui est accélération, haute amplitude et choc. Et la technologie capacitive, donc toujours sur la marque Andefco, avec une petite partie aussi de capacitif sous marque PCB, donc on en a sur les 2 marques, et pour tout ce qui est vibration basse fréquence, pression statique et dynamique. Et enfin, on a 2 autres marques qu'on distribue, qui sont Larson-Davis pour la partie acoustique, donc sonomètre, dosimètre essentiellement, et la marque Domodal Shock pour tout ce qui est plutôt peau vibrante, solution d'étalonnage. Merci Maïwenn pour cette introduction rapide. Maintenant, Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte, du challenge auquel sont confrontés nos clients au niveau de leur instrumentation? Oui, tout à fait, Colin. La tendance, pas dans l'instrumentation, mais dans l'industrie, c'est que le temps de développement des nouveaux produits, machines, est de plus en plus court. Et donc, le temps d'instrumentation ou le temps des campagnes d'essai sont de plus en plus courtes, rapides, ce qui est un véritable challenge pour nos clients, qui sont donc, des industriels de l'instrumentation. Pour effectuer ces essais dans un temps le plus, enfin, assez court et challenging, évidemment, les essais sont de plus en plus instrumentés, avec une multitude de données qui doivent être enfin, dont on doit faire l'acquisition, et ces données doivent être de plus en plus précises, ce qui est un véritable challenge dans le domaine de l'instrumentation aujourd'hui. Juste un bref rappel de ce que c'est qu'une chaîne de mesure. On a un phénomène physique que l'on doit mesurer. Pour ceci, on va utiliser un capteur. Le capteur doit être choisi avec soin et il doit être positionné de manière pertinente pour récupérer l'information et la transformer la grandeur physique en un phénomène électrique. Et ensuite, cette valeur analogique est transférée via du câblage, de la connexion sur un conditionnement. Pour être ensuite numérisé via un convertisseur analogique numérique pour enfin être
cliquez sur une chaîne d'acquisition, un PC, etc., vous allez avoir donc beaucoup des fichiers que vous allez pouvoir utiliser. Donc, le point, c'est qu'entre le capteur qui sort une valeur analogique et le fichier qui va directement être utilisé en post-traitement ou en traitement direct, il y a tout un tas de liaisons qui peuvent potentiellement être prises en compte par l'instrumentation et qui peuvent potentiellement être un problème. Sur cette diapo, vous voyez ici quelques illustrations d'applications. Vous avez en deux applications défense, en bas à droite, un champ de tir, en haut à gauche, un tir pour de la mesure d'angle de choc. Vous avez une illustration d'un train, en bas à gauche, et en bas à droite, une baie d'acquisition avec une quantité non négligeable de câbles qui arrivent de toutes parts au niveau des capteurs. Tout ça pour vous dire que ça sont des illustrations d'applications au quotidien que vivent nos clients. Le câble en tant que tel peut être un souci, en tout cas doit être pris en compte dans l'instrumentation, parce que quand on a beaucoup de câbles, ça peut jouer sur la masse des câbles, peut jouer sur la structure et de fait sur la réponse en fréquence de celle-ci. Donc attention à la mise en œuvre des câbles. La longueur des câbles est aussi un paramètre à prendre en compte qui peut avoir une influence sur la mesure. Et au-delà de ça, quand on regarde les applications présentées ici, que ce soit de la défense ou du ferroviaire, les conditions environnementales avec des forts champs électromagnétiques, variations de champs électriques forts ou conditions environnementales simplement sévères parce que le nombre de chocs passe, et bien tout ceci a un impact sur le câblage et peut potentiellement parasiter l'information du capteur qui va aller vers la numérisation. Donc, tous ces paramètres sont challenging pour nos clients si on est dans le contexte où on veut faire des essais de plus en plus rapidement et de plus en plus précis. D'où l'idée de trouver des solutions pour avoir un impact le plus faible possible dans nos conditions environnementales, par exemple par numériser l'information au plus proche du capteur. Donc voilà Colin, je te laisse la parole. Merci Philippe pour ces explications. Je le rappelle, si vous avez la moindre question à nous poser, Adrien ou Philippe répondra avec plaisir à vos questions. Maintenant, passons à la suite. Maïwenn, comment PCB a décidé d'apporter une solution à travers ça? Donc, à partir de ce que Philippe a constaté donc auprès de ses clients sur le marché dont il s'occupe, on s'est dit qu'il allait falloir trouver une solution pour pouvoir numériser mieux la data au niveau des capteurs. Donc, on avait finalement deux solutions, commencer à faire de la R&D, développer quelque chose en interne, ou alors trouver quelqu'un qui savait faire ça et s'associer avec cette personne-là. Ça tombe bien puisqu'on a Safran Data System qui est à quelques kilomètres de notre siège et qui a développé donc une gamme qui s'appelle Anne qui répondait tout à fait aux besoins qu'on avait identifiés. Donc, on s'est rapproché d'eux, on s'est associé avec eux pour distribuer leur gamme donc AIM, qui est une gamme de modules d'acquisition ultra compact, qui permet finalement de garder un parc de capteurs existants, mais en fait d'être au plus proche de la voie de mesure au niveau de l'acquisition pour pouvoir fonctionner sans fil et en architecture distribuée. Merci Maïwenn. Adrien, maintenant, peux-tu nous présenter rapidement Safran Data System? Oui. Alors tout d'abord, merci encore à PCB, Piezotronics France, merci à Maïwenn, à Philippe et à Colin de nous inviter sur ce webinaire commun. La société Safran Data Systems est membre du groupe Safran, particulièrement de la division Safran électronique et défense. Et la grande mission de Data Systems, c'est permettre la mesure et le test haute performance à travers une gamme de solutions hardware et software qui est développée en interne sur notre site des Ulysses dans l'Essonne. Et ce qu'on vise particulièrement sont les applications exigeantes où il y a beaucoup de challenges environnementaux, beaucoup de challenges en ce qui concerne l'endroit où est situé le point de mesure sur des véhicules ou des environnements ou des machines qui représentent un challenge. Les applications qu'on cible, c'est principalement en numéro un, je vais dire, effectuer des mesures pour les essais, le prototypage et le contrôle, participer à des campagnes de mesures variées pour, en premier lieu, vérifier
la performance, la fiabilité, la sécurité des véhicules ou des systèmes qui sont testés. Et enfin, c'est assurer une maintenance prédictive ou curative pour augmenter la disponibilité des véhicules et des équipements pour anticiper les pannes, anticiper les problèmes et donc les rendre plus disponibles et augmenter la profitabilité des process de nos clients. Voilà. Donc, toutes ces choses sont des choses qu'on peut atteindre avec nos équipements dans un contexte de mesure. Merci Adrien. Et quels sont les objectifs maintenant pour la solution AIM? Alors, je vais passer les slides, merci. Les produits AIM, les solutions AIM, en fait, répondent en premier lieu à trois grandes tendances qui ont été décrites et développées par Philippe il y a quelques instants. La première, c'est proposer des systèmes distribués et en réseau qu'on peut venir installer sur des distances assez importantes, sur des véhicules ou des équipements de grande taille. Et nos équipements sont considérés moins intrusifs, parce qu'étant compacts et étant installés proche des capteurs, on peut les installer de façon plus masquée, un peu plus cachée dans des endroits plus inaccessibles que d'habitude. Et ils sont également plus omniprésents, parce qu'en étant distribués, ils sont présents aux endroits stratégiques des véhicules et des équipements qui sont instrumentés. Deuxième réponse, c'est de miniaturiser ces instrumentations, les rendre toujours plus compactes pour faciliter la vie des ingénieurs d'essai, pour l'intégration de ces équipements sur les véhicules et les machines. Et en étant plus compact, ça leur permet naturellement de pouvoir être installés proche des capteurs, dans des endroits qu'on dit remote, des endroits difficiles à atteindre. La troisième réponse aux tendances du marché, c'est de développer des modules d'acquisition toujours plus précis, toujours plus avancés et toujours plus performants. La deuxième partie des réponses de nos produits aux besoins du marché sont décrites ici. Premier point, ce que je voudrais préciser, c'est que nos systèmes sont adaptés à des campagnes de mesures variées. On est compatible pour des systèmes de quelques voies ou quelques dizaines de voies avec des systèmes standalone uniques, jusqu'à des systèmes distribués en architecture plus complexe pour aller numériser plusieurs milliers de voies de mesure. Et on est monté par le passé jusqu'à environ 5000 voies de mesure sur un même système, sur une même campagne. Donc les systèmes fonctionnent en réseau grâce au protocole PTP Ethernet, qui est un protocole qui est universel, qui permet d'une mise en œuvre rapide, aisée et connue de beaucoup d'ingénieurs d'essai. Nos systèmes sont compatibles avec une grande variété de signaux. En premier lieu, les signaux analogiques venant de toutes sortes de capteurs, mais également les bus de données numériques et les voies vidéo, voilà, qu'il ne faut pas oublier non plus, qui sont souvent des compléments dans les plans de mesure de nos clients. Quatrième point important, c'est le fait que nos systèmes sont parfaitement synchrones. On peut prétendre à une synchro égale ou meilleure à 100 nanosecondes. Donc, la conclusion, c'est qu'on travaille sur des produits compacts, durcis, sans compromis avec la synchro. Enfin, c'est très, très important et nos clients nous challengent en permanence sur ce sujet. Et en dernier point, pour accompagner nos matériels, on a la suite logicielle Easy, qui est également développée en interne par nos ingénieurs et qui permet de couvrir l'ensemble des besoins en commençant par le réglage, la configuration des systèmes jusqu'à l'exploitation des données. Voilà, à travers la suite Easy, qu'on développera un petit peu plus tard. Merci Adrien. On parle aussi donc de solutions AIM, comme tu viens d'en parler. Oui. Mais on pourrait aussi parler de gamme. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, on va développer aujourd'hui trois produits de la gamme AIM, AIM Strong et AIM Spin, qui sont les représentants de la gamme des conditions extrêmes, produits pour conditions extrêmes, qui sont des produits compacts, durcis, qu'on peut installer proche des capteurs, comme on l'a bien détaillé avant.
On va également parler rapidement de la gamme Lab avec le produit IMLAB L1, qui est un produit aux facteurs de forme différents qu'on va détailler. Et enfin, on a ici sur cette page, un peu flouté, un produit qui s'appelle le IMSmall S1, qui est un produit en cours de développement qui sera dévoilé en cours d'année, donc avec des événements qui seront divulgués un petit peu plus tard dans l'année. Et c'est un produit qui ira encore plus loin en ce qui concerne la miniaturisation et la capacité à aller numériser des voies de mesure au plus proche des éléments sensibles pour répondre aux besoins et aux demandes toujours plus nombreuses du smart sensor. Donc, on démarre le détail des produits. On démarre avec Armstrong, qui est aujourd'hui le produit qu'on veut le mettre le plus en avant. C'est le produit le plus important de la gamme. Alors, je peux vous le montrer à l'écran. J'ai des produits ici avec moi. Donc, Armstrong, c'est une unité d'acquisition de signaux. C'est un produit qui a été développé au milieu des années 2010, qui aujourd'hui a atteint plus d'un million d'heures d'essais cumulés chez nos clients. C'est un produit qui commence à être bien mature. C'est un produit qui est compact, qui est durci et qui est stacké. C'est-à-dire que ce produit est composé de différents modules et chaque module représente donc une tranche ici qu'on a à l'image. Et ces tranches, une fois empilées, une fois assemblées, constituent un système qui est particulièrement compact et durci. Donc, j'ai ici un détail de module. Donc, vous voyez ces tranches qui sont donc assemblées directement l'une sur l'autre avec un connecteur central et une électronique qui est particulièrement condensée, qui est vraiment, on va dire que l'espace disponible est utilisé au maximum. La section de ce produit, c'est 2 pouces par 3, c'est-à-dire 50 mm par 75. Et on voit ici en fait que le connecteur 51 points, est un peu la limite au design de ce produit parce que on a en fait un peu bâti la taille du module autour du volume du connecteur. Donc ces modules, on les assemble les uns avec les autres et on constitue donc ce fameux stack. Ici, on a un stack de 7 modules utilisateurs, on peut monter jusqu'à 16. Voilà. Ces modules, ces tranches ont chacun un rôle à jouer. En premier lieu, ce sont des modules d'acquisition de signaux, donc ils vont être connectés directement à des capteurs. On a également des modules d'enregistrement de données, on monte à 256 gigas en interne, ainsi que des modules de traitement pour, par exemple, embarquer des algorithmes et de l'intelligence au sein même du système. Cette compacité, elle est associée donc à un fort durcissement, c'est un produit qui fonctionne sans compromis sur des performances de moins 50 jusqu'à plus de 100 degrés Celsius. C'est un produit qui est également durci face aux vibrations, face aux chocs et qui est également caractérisé aux radiations. On a bien parlé de ce produit. L'avantage de ce produit, le bénéfice de ce produit pour vos applications, c'est qu'on peut tout à fait le considérer comme étant le hardware responsable de la numérisation d'une grappe de voix dans un endroit difficile d'accès, quelques dizaines de voix. Jusqu'à 128 hein, en 16 modules. Ce produit va être capable de numériser en environnement difficile plusieurs dizaines de voies. Et au niveau du câblage, les gains sont immédiats, sont certains, puisque ce produit devra être simplement raccordé à un système central, par exemple un PC de contrôle, via un seul câble Ethernet, plus une alimentation électrique. Ça veut dire que plusieurs dizaines de voies, jusqu'à 128 voies, vous imaginez le volume de câbles, va être concentré dans ce système et on n'a plus que deux câbles entre ce nœud, ce hub, vers le point central. Donc, beaucoup moins de contraintes de câblage, beaucoup moins de dépenses, beaucoup moins d'ingénierie à réaliser sur ce faisceau de câbles. Voilà, donc les applications sont diverses et on sera très heureux de répondre à vos demandes pour étudier des cahiers des charges ensemble. On va passer au produit suivant. Le produit Armspin, alors c'est un produit qui est directement issu de la technologie Armstrong. Il est basé sur la même technologie de module durci, dans un facteur de forme qui est différent, un facteur de forme qui est plus cubique et qui le rend compatible avec les applications tournantes. C'est un produit qui passe un test d'équilibrage sur machine tout tournante chez un prestataire et qui est donc livré sans balourd
est capable de tourner jusqu'à 2500 tours minute. Le bénéfice de ce produit direct, c'est qu'il est capable de numériser des voies de mesure, jusqu'à 128 encore une fois, sur une pièce tout tournante, et donc qui va beaucoup faciliter la vie des ingénieurs en ce qui concerne la transmission des données et d'énergie, puisqu'on peut même s'affranchir du joint tour tournant via une interface par induction. Voilà, donc HypeSpin dédié aux applications tournantes. Enfin, le dernier produit de la gamme que je vais présenter aujourd'hui, c'est le produit HypeLab L1. Donc, c'est un produit au facteur de forme différent des deux précédents. Merci. Comme on peut le constater, c'est un produit qui est compatible avec les applications plus labo, qui peut être embarqué dans une baie. Il peut également être embarqué en ambiance habitacle ou bien cabine. Donc on peut l'installer sur un siège de voiture, on peut le mettre dans une cabine de pilotage dans le monde du ferroviaire. Par exemple, c'est un produit donc qui est semi-durci, qui résiste à un certain niveau de vibration, pas aussi élevé que Armstrong et HypeSpin, mais malgré tout, il peut être embarqué. C'est un produit donc basé sur la technologie Armstrong. On retrouve les mêmes modules d'acquisition, de traitement et d'enregistrement, mais dans un facteur de forme de labo, qui permet d'atteindre un coût optimisé. Donc Adrien, on parle d'acquisition de données, mais qu'en est-il de l'enregistrement et l'interprétation de celle-ci? Est-ce que vous proposez des solutions par rapport à ça? Oui, donc pour répondre à ces questions, on s'appuie donc sur les différentes briques de la suite logicielle EASY. Avec tout d'abord EASY Setup, qui est la première brique de logiciel qui permet principalement la configuration, un premier niveau d'enregistrement et d'affichage des signaux à travers l'outil Quick Look. Cette brique logicielle, elle est livrée sans surcoût avec tous les éléments matériels hardware qu'on vient de vous présenter. C'est un logiciel qui fonctionne sous Windows, qui est en licence ouverte et qui est particulièrement intuitif. Est facile d'accès, c'est un produit qu'on met régulièrement en essai chez nos clients existants et potentiels à travers des licences d'évaluation et qu'on peut également présenter facilement via des visioconférences. Donc c'est un outil puissant et particulièrement ergonomique. Il permet donc de, encore une fois, de configurer les systèmes voie par voie. Un outil que je voudrais préciser, c'est la bibliothèque de points de mesure. On peut enregistrer facilement et même exploiter toute une base de données de capteurs pré-enregistrés qui permet ensuite de configurer et d'associer des voies de mesure avec des canaux disponibles sur les cartes d'acquisition de façon hyper rapide pour mettre en œuvre les systèmes. On peut considérer qu'il faut 10 minutes pour mettre en œuvre un système HIME, voilà, avec HIME Setup en soutien direct. La deuxième brique logicielle, c'est EASY Processing. Donc, c'est une brique optionnelle qui permet un traitement des signaux acquis beaucoup plus poussé, un enregistrement des données en différents formats à exploiter par la suite, une analyse fine et une autre capacité de calcul des signaux et un affichage des signaux complètement customisable. Vous pouvez bâtir en fait vos interfaces visuelles de A à Z avec des courbes, des compteurs, des cartes, des schémas avec beaucoup de capacités de personnalisation en termes de couleurs et autres pour que vous puissiez bâtir des interfaces, des postes de contrôle tout à fait, on va dire, compatibles et tout à fait, on va dire, adaptés à vos environnements de travail et à vos applications. Voilà. Donc c'est également un logiciel qu'on présente très régulièrement chez nos clients en physique ou bien en visio. Merci Adrien pour toutes ces explications. Maïwenn, as-tu un petit mot pour la conclusion de ce webinaire? Pour conclure, suite à la présentation d'Adrien, une seule chose en fait, si vous êtes prêt à numériser au plus proche du capteur, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ma caméra, donc je la remets, c'est mieux. Donc si vous êtes prêt à numériser au plus proche de votre point de mesure
vous installez au plus proche du capteur, bah, n'hésitez pas et venez demander des informations complémentaires et tester l'offre AIM. D'ailleurs, j'en profite pour enchaîner sur l'appel aux questions. Si vous avez des questions à poser à Adrien, à Philippe, donc Philippe qui se charge de la distribution côté PCB de cette offre, n'hésitez vraiment pas, c'est le moment, le chat est ouvert. Alors, il y avait une question tout à l'heure de Noélie Chauvet. Bonjour, est-ce que ce système fonctionne sous vide? Elle parlait du premier système, je crois. Oui, alors, merci pour la question, Madame Chauvet. Je vais répondre partiellement parce que ça dépendra de l'application et donc de l'environnement précis. On va dire que oui, Armstrong, c'est un système qui fonctionne régulièrement en application sous vide. Bien sûr, il faudra qu'on discute entre nous du niveau d'altitude ou de pression faible que vous voulez atteindre. Un petit détail sur les modules d'acquisition. On a un module ici brut assemblé et un module qui a reçu son potting. Le potting, c'est une résine spéciale qui a été développée en interne et qui permet donc d'isoler les composants électroniques, qui permet d'éviter les zones de rétention, notamment les bulles d'air. Donc les systèmes, oui, sont compatibles avec le vide et on sera très heureux d'en discuter avec vous par la suite pour détailler cet environnement de travail particulier qui est probablement assez dur, assez exigeant. Je peux juste rajouter une question qui est complétée celle de Noélie sur le sujet. Est-ce que, par exemple, est-ce que les systèmes sont complètement hermétiques ou est-ce qu'il y a des solutions suffisamment hermétiques pour, par exemple, avoir un dégazage faible ou en tout cas contrôlé? Ou est-ce qu'on n'est pas sur ce type de configuration? Alors, encore une fois, le produit Armstrong, c'est un produit qui a été conçu pour un environnement particulièrement difficile, avec en cumulé des températures faibles ou importantes, du vide, également des environnements humides et des environnements agressifs, voire corrosifs, avec des liquides de frein ou des huiles ou des graisses mécaniques. Donc, le produit est qualifié pour tous ces environnements, même cumulés. Donc, ce qui est important, c'est qu'on discute ensemble de l'application précise et qu'on ait un détail total de l'environnement de travail. Mais probablement, Armstrong, c'est un candidat potentiel pour vos applications les plus exigeantes. Et encore une fois, ces environnements-là, cumulés avec un nombre important de voix, se fait sans compromis sur la performance et la synchronisation. Ça, c'est important de le signaler. Bien, merci Adrien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour compléter ce webinaire? En tout cas, c'est le moment. Vous pouvez y aller. En attendant les éventuelles questions, petit moment publicité. Donc nous avons d'autres webinaires donc prévus ou en préparation. Le prochain webinaire qui est prévu, ça sera le 10 mai, avec en invité le CRIT Sport Loisir. Qui présentera ses applications d'essais de chute de casque, dans le cadre des normes d'homologation de casque. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est essais de chute, mesure angulaire ou mesure de choc, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. On n'a pas encore lancé la com, mais le webinaire est d'ores et déjà disponible. Si vous allez sur notre site web PCB Piezotronics, dans la partie webinaire, vous le retrouverez. Donc, n'hésitez pas.